Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des gommages corporels et des exfoliants corporels. Donc, qu'est-ce qu'un gommage ou un exfoliant corporel? C'est un produit, un ingrédient qui permet d'exfoluer, d'enlever les peaux mortes, tout simplement pour que les produits comme le lait corporel ou l'huile corporelle s'adhère, s'accroche bien, fonctionne mieux en fait. Donc voilà, quelquefois on a la peau sèche, quelquefois on a pris du soleil, quand on a bronzé en fait, on a une couche de soleil, les peaux mortes en fait, et on veut peut-être les enlever, donc on a besoin de gommage. Donc la différence entre un exfoliant et un gommage, c'est que le gommage, il exfolie en profondeur. C'est vraiment un produit qui va travailler, mais qui va vraiment enlever la peau morte. Les deux, en fait. Mais un est plus efficace et plus fort, plus concentré que l'autre. Donc voilà, l'exfoliant, c'est plutôt quelque chose qui va enlever les peaux mortes, la peau morte en douceur, tout en hydratant la peau. Je pense que c'est ça. L'hydratation, il y en a un qui a de l'hydratation, ou bien l'exfoliant, un gommage exfoliant peut être un gommage à base de gel douche. Oui, ouais, je pense que ouais, c'est ça l'exemple que je peux donner. Aussi, ce que je peux dire, si vous avez la peau sèche, évitez les gommages ou les exfoliants qui sont à base de sel, puis optez plutôt pour les produits, les gommages exfoliants qui sont à base de sucre roux. Pour le gommage ou l'exfoliant, vous pouvez le faire à la maison. C'est très très simple, à base de café, sucre roux, de sel. Donc c'est vraiment très simple et vous avez aussi besoin d'une huile hydratante. Donc comme l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco. Donc peu importe l'huile que vous avez, vous voulez utiliser. Voilà, c'est très 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 simple. Alors, moi, j'aime pas trop faire les DIY à la maison. Je trouve que ça prend trop de temps. Donc, voilà, c'est pas trop mon truc. Je le fais quelques fois. Donc, si vous êtes comme moi, je vous invite à voir la liste des gommages, des gommants, des exfoliants que je vous ai faites ici. La plupart, j'ai utilisé. La plupart des autres gens utilisent. La plupart, j'ai entendu que du bien de ces marques-là. Donc le gommage est très très important dans la routine corporelle, routine de soins. Ne négligez pas si vous voulez avoir une peau douce, une peau saine, une peau en fait qui va vraiment retenir l'hydratation. Le gommage, c'est l'un des secrets. C'est l'un des secrets. Le gommage, même pour moi qui a la peau sèche, je dois me gommer. Je dois faire mon gommage. Vu que je souffre aussi de kératose pilaire, donc c'est très très important dans ma routine corporelle, dans ma routine soins corporels. Voilà, sans plus tarder, je vais vous dire la liste des gommages que j'ai. Donc, je vais un peu vous dire comment est-ce que j'ai découvert les gommages. Les gommages, je les ai découverts très 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 longtemps. Mais le tout premier que j'ai utilisé et j'ai vu vraiment un changement par rapport à ma routine de soins, c'était avec la marque Radox Spa Scrub. Ça fait au moins, je ne sais pas, 8 ans. J'avais découvert ce gommage-là ici en Angleterre et ça m'avait fait tellement du bien tout ça. Ça m'avait donné une peau tellement douce que je suis repartie en boutique. Je l'ai racheté, j'en ai acheté deux. Et après, donc vu que j'en avais deux, donc ça m'a pris du temps pour le finir. Et puis, quand je suis repartie acheter en boutique, c'était ma boutique Boots et Superdrug, je l'ai retrouvé peu. Je ne retrouvais plus le gommage, là. C'était un truc de dingue. J'ai cherché partout, eBay, tout ça, partout. C'était déjà en rupture de stock. Donc, ils avaient déjà arrêté de vendre ce gommage que j'ai vraiment beaucoup regretté. C'était à base de sable australienne, quelque chose comme ça. C'était tellement bien, tellement doux sur ma peau. Donc, si vous le retrouvez, achetez-le vraiment. C'est un très, très, très exfoliant. Ça, c'est plutôt un exfoliant très magnifique sur la peau. Donc, après ça, le gommage que je vous conseille, mon chouchou, que j'adore, c'est de la marque Le Petit Marseillais. C'est le soin hydratant gommant à base de karité, sucre roux et
l'huile d'organ. Magnifique. Le petit bémol, c'est qu'il laisse un film un peu gras après votre douche. Donc moi, quelquefois, je laisse parce que ça ne me dérange pas du tout. Mais quelquefois, j'utilise, juste après mon gommage, j'utilise le gel douche vite fait, hein, juste pour rincer, enlever l'effet là. Mais la plupart du temps, ça ne me dérange pas. J'ai oublié de vous dire, quand vous vous gommez le corps, il faut d'abord humidifier votre peau et vous laver la peau en fait. Utilisez un gel douche, un gel nettoyant. Vous vous lavez d'abord la peau, le corps, et après vous utilisez votre exfoliant. Si vous ne vous lavez pas la peau, ça ne va pas marcher en fait. Voilà, à part les exfoliants à base, des gels douche à base d'exfoliant. Voilà, ça, ça peut marcher, mais il faut d'abord se nettoyer bien le corps. Il faut utiliser un gant, ou bon, la main ou un gant, et bien frotter, bien frotter partout, partout. Les aisselles, en dessous, là, la poitrine, bien, partout. Il faut bien. Les doigts aussi, mais moi, je le fais rarement. Mais il faut que je m'habitue maintenant. Mais partout, les pieds, partout. Il faut vraiment bien se gommer là-bas, derrière, le dos, tout ça. Voilà, il faut vraiment bien utiliser le gommage. Donc ça, c'était mon premier produit. Le deuxième que je vous conseille, c'est de la marque Fair & White. C'est le gel douche gommant. Donc comme je vous ai dit, cet exfoliant est à base de gel douche. Donc c'est deux en un. Celui-là, il est très populaire et vous avez plusieurs parfums. Voilà, il est juste top. Pour moi, au début, je pensais qu'il faisait vraiment rien en fait sur ma peau. Mais après, c'est vrai que j'ai vu une petite différence. Voilà, j'ai vu une petite différence, mais c'est pas comme si, je sais pas, j'ai utilisé mieux en fait. Mais je sais pas, je l'achète toujours parce que c'est l'un des gommages sur la gamme, pour ma gamme en fait, Fair & White. Donc c'est pour ça que je l'ai. Donc c'est un bon gommage quand même. Après vous avez la marque Dr. Teal's Vitamine C. Celui-là, il est très bien, beaucoup recommandé à base de vitamine C. Donc, ça va exfolier votre peau et vous donner un éclat top. Et à base de sel, si vous n'avez pas la peau sèche, si vous avez une peau normale, utilisez le Epsom Salt. Donc, à base de sel. Hein. Celui-là, il est vraiment spécifique pour le gommage du corps. Voilà, celui-là. Je vous conseille aussi la marque Fresh, The Original, au sucre roux. Le petit bémol avec celui-ci, c'est que il est vraiment, il coule partout en fait. Je sais pas, ils ont trop mis d'huile, je pense. Mais c'est un très bon gommage, mais c'est juste que ça va vraiment abîmer la douche. Voilà, c'est ça. C'est le bémol en fait. Après, vous avez la marque Biosan. Je vous en ai parlé sur une autre vidéo à moi. Cette marque là, elle est très bien. Donc c'est un gommage à base de sucre et qui est vraiment spécifié pour l'hyperpigmentation et qui donne de l'éclat. Donc c'est top ce gommage là, très doux sur la peau aussi. Après j'ai un classique, j'adore ce gommage, j'adore. Donc c'est la marque Soap and Glory. Celui là il est top. C'est le Fleck Away à base d'abricot et beurre de karité. Tout ce qui contient du beurre de karité, moi j'aime. Donc à base de beurre de karité et abricot, ça exfolie super bien. Ça, c'est un best-seller. Je pense qu'ils en ont deux ou trois. Mais celui que j'utilise le plus, c'est le Fleck Away. Il est super bien. Donc, je vous le conseille. Après, vous avez la marque Sanctuary Spa. C'est vraiment une marque spécifique pour tout ce qui est soins corporels. C'est une marque top. Donc, je vous conseille celui aux huiles essentielles. Et aussi, vous en avez un autre. Je pense que c'est à base de poudre de pierre volcanique. Et aussi, il y en a un autre à base de café. Donc, ceux-là, ils sont top. Le café aussi, il marche super bien sur la peau. Il exfolie super bien aussi. Après, j'ai un autre classique de la marque Saint-Yves. Qui ne connaît pas Saint-Yves? J'ai utilisé leur gommage pour le visage, mais c'était trop fort pour moi, en fait. Ouais, ça m'abîmait la peau. J'ai utilisé deux fois par semaine, mais je pense que ça m'abîmait en fait, ça m'irritait la peau.
mais ils ont celui du corps qui est assez bien. Faut pas vraiment. Par contre, celui-là, faut vraiment l'utiliser une ou deux fois, une à deux fois par semaine parce qu'il est très très irritant sur la peau. Hein. Voilà. Donc voilà, faut faire attention avec celui-là, mais il est bien. Il fait son job. Hein. Il fait vraiment son job. Après, j'ai celui de la marque The Body Shop. The Body Shop, donc c'est un peu comme celui de la marque Dove. Donc je pense que tout le monde connaît la marque Dove, leur gommage. Donc je vais en parler un peu après. Mais j'ai le gommage crème douceur. Donc celui-là, c'est un exfoliant. Il hydrate vraiment très très bien. Donc vous exfoliez, vous n'avez pas besoin d'utiliser un gant, juste vos mains et vous appliquez voilà, sur la peau tout en faisant des mouvements circulaires. Après, j'ai un best-seller encore de la marque First Aid Beauty KP Balm Eraser Body. Non, Eraser. Ouais, donc c'est juste ça, c'est long. Et celui-là, c'est un best-seller pour les gens comme moi. Si vous souffrez de kératospilaire, chicken skin, la peau de fraise, donc celui-là, c'est top. Celui-là, c'est top. Je ne l'ai pas encore utilisé, malheureusement, mais il n'y a que des bons commentaires. Je le connais depuis longtemps. J'ai juste pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai trouvé d'autres, en fait, qui marchent assez bien. Celui-là, il contient de l'acide AAH. AHA. Donc il est bien aussi pour les peaux sensibles. Il exfolie contre la peau granulée, comme je vous ai dit. Donc la peau de fraise, tout ça, chicken skin. Après, j'ai la marque Rituel. Donc ceux-là aussi sont très bien, un peu similaires à la marque Sanctuary Spa. Donc ils sont vraiment dans les soins corporels, tout ça. Donc ça fonctionne super bien. J'ai la marque Vit Gold. Ce produit-là, vous le trouvez plus souvent en Afrique ou bien vraiment dans sur eBay, Amazon peut-être, ou dans les boutiques afro-caribéennes, mais c'est assez rare. Donc c'est le Vit Gold gommage éclaircissant à base de tomates. Ils en ont plusieurs, mais celui-là, c'est le best-seller parce que en fait, il travaille vraiment sur la pigmentation, sur les taches, sur les boutons. Il est top, il paraît. Donc j'ai beaucoup entendu parler de celui-là. Mais vous avez plusieurs parfums. Après, j'ai celui de la marque Dove. Je reviens sur Dove. Donc ça, c'est le best-seller. Il sent très très bon. Moi, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. J'ai essayé. C'est pas le genre d'exfoliant que j'aime en fait. Je sais pas. Il y a un truc qui m'avait gêné. Mais les best-sellers, c'est celui à base de beurre de karité et grenade ou grenadine, je pense. Et l'autre, sa base, je vais vous le mettre ici, j'ai oublié, hein. J'ai complètement oublié. Et puis le tout dernier que j'ai sur ma liste, c'est de la marque Tree Hut. Donc c'est une marque américaine, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, mais sur Amazon, il coûte super cher, mais super cher. C'est celui de la vitamine, ils ont plusieurs parfums, mais le best-seller, c'est celui de la vitamine C. Tout le monde adore la vitamine C parce que ça fonctionne super bien. Ça nous donne un éclat, ça illumine notre teint. C'est vraiment merveilleux. Et c'est à base de vitamine C et de beurre de karité et sucre aussi. Donc voilà, c'était ma liste des gommages exfoliants. Il faut savoir que quelquefois, vous avez des savons en barre qui sont aussi des exfoliants en fait. Vous les utilisez juste sur la peau et ça exfolie votre peau. Donc faut savoir ça, c'était juste une parenthèse. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. N'hésitez pas à utiliser un gommage. C'est très très essentiel, c'est très nécessaire. Vous allez voir que le game de votre peau va changer. En fait, ce que ça va faire, ça va vraiment permettre au lait, à la crème, à l'huile de s'absorber, de rester, de bien 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 pénétrer dans votre peau et ça va mieux travailler. C'est pour cela que c'est très très important de faire un gommage ou exfoliant corporel 2 à 3 fois par semaine. Moi, je le fais 3 fois par semaine parce que j'en ai besoin. Mais si j'en avais pas vraiment besoin, j'aurais fait peut-être 1 à 2 fois par semaine, même une fois. Hein. Mais j'en ai besoin. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, vu que je fais 3 fois par semaine, je fais un gommage assez.
c'est pas un gommage intense, hein, c'est assez doux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de mettre un pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et de partager mes vidéos. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.